et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire alors soit un bandeau, soit un snood au choix avec un très joli point. Voilà, un très très joli point avec du relief et la technique de ce nœud qui est fort sympathique et très facile à faire. Voilà, c'est alors. Le nœud, la technique, ce n'est pas moi qui l'ai créé, hein, je l'ai trouvé sur internet, donc du coup je voulais vous en faire profiter. Et le nœud et le point, ben, écoutez, je l'ai trouvé très joli, du coup je l'ai pris pour faire alors soit un bandeau, soit un snood. Ce sera à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Là je vous ai fait un bandeau pour la tête. Hein. Et c'est facile, rapide, très sympa à faire. Allez, et bien écoutez, c'est parti, on y va? Allez! Alors, pour réaliser ce bandeau, bien sûr, il m'a fallu qu'une pelote blanche et une pelote beige. C'est la même marque, hein, mais vous verrez dans la suite de la vidéo, on voit une petite différence entre le blanc et le beige. Le blanc est plus épais que le beige. Allez savoir pourquoi, ma foi, pourtant c'est les mêmes. Donc c'est la marque, que je me trompe pas, c'est Hobby. C'est Hobby, non, qui fait ça? Je ne m'en rappelle plus. Ouh, ça fait un moment que je les ai. Oui, il me semble que c'est Hobby qui fait ça. Bon, mais j'ai pas le... Bon, oui, il me semble... Oui, c'est Hobby. Oh là là, je ne l'avais pas vu tellement que c'est écrit en petit. C'est Hobby. Voilà. Donc, c'est le classique acrylique yarn. 100% acrylique. 50 grammes, 150 mètres. Il préconise entre 4 et 5 mm. Ben, du coup, j'ai pris 4,5. Vous pouvez prendre un peu plus hein, si vous voulez. Moi, je dirais même 5,5. Vous pouvez largement si vous voulez. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel fil, de l'acrylique, du coton, coton acrylique, ce que vous voulez pour faire votre bandeau ou votre snood. Voilà. Hein? Alors bien sûr, au niveau du snood, faut voir la quantité que vous aurez besoin, j'ai pas testé. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, quelques petits chiffres. Donc, mon modèle est fait en deux couleurs. D'accord, je l'ai fait une partie blanche et une partie beige. Mais bien sûr, vous pouvez le faire d'une seule et même couleur. On est bien d'accord. Au niveau de la taille, ça va être en fonction de l'utilité. Soit autour de la tête, soit un snood. Si vous voulez faire une écharpe... Là, c'est pas trop le but, puisque c'est le but, c'est de le rejoindre. Mais snood, le bandeau au niveau de la tête, c'est deux tailles différentes. Donc, vous adapterez la longueur et la largeur en fonction de l'utilité. Ok. Pour, perso, pour le bandeau à cheveux que vous avez vu, j'ai fait 50 mailles blanches, 50 mailles beige, et j'ai rajouté deux mailles supplémentaires puisque c'est un multiple de 10 plus 2 mailles à la fin. 13 cm de haut et je reprends donc 102 mailles pour à peu près 50 cm de long hein, puisqu'on fait la longueur et après on monte. Voilà hein. Ça c'est des fois c'est l'inverse hein. Voilà, donc faites attention à ça. Donc, suivant l'utilité, si vous voulez faire un snood, ben, vous faites assez court autour, un tour de cou, et vous faites la hauteur que vous désirez. Et bien sûr, si c'est un bandeau pour la tête, ben, c'est en fonction de la tête de chacun. vous pouvez prendre référence à un bonnet, regardez... Dans le tableau, au niveau des mensurations que j'ai mis sous la vidéo, vous avez les tours de tête pour faire les bonnets. Ça peut aussi vous aider si c'est pour offrir, par exemple.
Hein? Voilà. Sur ce, ben on commence. Hein? Allez. Alors, pour le modèle de la vidéo, j'ai pris le mauve et du gris. Hein? Vous pouvez le faire d'une seule couleur. Moi, je vais vous faire revoir avec les changements de couleur. Au moins, comme ça, vous pourrez le faire si vous voulez. Rappelez-vous, le point est un multiple de 10 plus 2. On est bien d'accord. Il faut que mon mauve et mon gris aient le même nombre de mailles. Comme je vous ai fait voir, j'avais fait 50 et 50. Et après, il y a plus 2 mailles. On va les répartir pour que ce soit équilibré avec les deux couleurs. Hein? Donc, du coup, comme il y a 2 mailles à rajouter, on va rajouter une maille au mauve, une maille au gris. Dans mon cas de figure avec mon blanc et mon beige, j'ai fait, c'était 50-50 plus 2, j'ai fait 51 et 51. Comme ça, il y avait l'équilibre avec les deux couleurs. Si vous faites qu'une seule couleur, le problème ne se pose pas. Vous faites votre nombre de mailles et à la fin, vous rajoutez 2, tout simplement. Voilà. Mais là, comme c'est deux couleurs, on est bien obligé. Donc là, j'ai fait 20 mailles. Hein. Je recompte au cas où, parce que vous voyez, je papote et puis après, j'oublie. 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc là, j'ai fait 20. Et je vais rajouter une maille, tout simplement. Voilà. Donc, pour vous faire voir, ici, je vais mettre un marqueur pour vous faire voir que c'est le début, là, de ma partie mauve. Hein? Voilà. Vous le faites aussi si ça peut vous aider. Ici, je vais prendre l'autre couleur. Je me fais une petite boucle, tout simplement. Et je passe sur la boucle d'à côté. Hop. Voilà. Je vais faire un nœud. Voilà. Hop. Tata. Oh, ces pelotes, des fois, quand elles s'en mêlent. Hein. Voilà. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait, j'avais mis mon marqueur. Je suis à 21 mailles. D'accord? Celle-ci, là, la suivante, elle fait partie de la grise. Hein. Voilà, elle est mauve, mais bon, elle fait partie de la grise. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai mon multiple de 10 et je rajoute une parce qu'il y avait les deux en plus. Hein? Ce que je viens de vous expliquer. Donc là, j'ai une maille chaînette coupée en deux, tout simplement, avec deux couleurs. Attention, on ne coupe pas le fil mauve. Hein? Vous me le laissez où il est. Puisque quand on va arriver ici, on récupère le mauve, on fait le mauve, on fait le tour, on récupère le gris, et ainsi de suite. Donc on n'a pas besoin de couper. Hein? Voilà. Si vous voulez couper, vous coupez, et chaque fois vous rattachez. Il n'y a pas de souci. Vous le faites vraiment comme vous le sentez. Hein? Là maintenant, on va faire un rang de brides. Donc pour les débutantes, je fais 3 mailles en l'air. Ici, c'est ma quatrième. Je pique dans la cinquième. Voilà. Et là, on va faire un rang de brides. C'est notre forme d'ouvrage. Et quand on va arriver à la couleur, on va changer tout simplement de fil. Alors, je vais vous faire voir comment changer de couleur.
Et vous l'appliquerez bien sûr tout le long de l'ouvrage, hein, si vous le faites en deux couleurs. Alors je me bats d'habitude avec une pelote, mais là maintenant je me bats avec deux pelotes. Aïe 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 aïe. Voilà. Rappelez-vous que celle-ci fait partie de la grise. Hein. C'est le mauve commun, c'est là où j'ai mon marqueur. C'est pour ça que je l'ai mis. Donc quand on arrive au changement de couleur, à la dernière boucle, c'est là qu'on fait le changement de couleur. C'est-à-dire, hop, ici, je fais mon jeté, je rentre dans la boucle, je fais mes deux premières boucles et je garde sur le crochet. Et au lieu de faire le jeté avec le gris, je prends mon mauve, je laisse tomber mon gris et je fais mon jeté, tout simplement. Voilà. Et là, j'ai changé de couleur. Et du coup, hop, je bascule et là, je fais mon changement et je continue. Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile pour faire le changement de couleur. On le fait au dernier jeté du dernier point. C'est pas compliqué. C'est sympa. Ça fait des ouvrages des fois originaux quand on fait des changements de couleur. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà. Ensuite, là on va aborder maintenant les points. Alors, au niveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça représente une bride, on est bien d'accord. On va faire 4 brides. Toujours dans la même maille, la toute première, hein, avec la première. Donc 4 supplémentaires, ce qui nous fera 5 au total. Hein. Voilà, allez. Donc, 2, 3, 4, oups, 5. Ensuite, on compte 1, 2, 3, 4, ici à la cinquième, je fais une bride, une maille en l'air et je reviens dans la même maille et je fais une bride. Donc grand motif, petit motif. Ensuite, toujours 1, 2, 3, 4 à la cinquième, je vais faire 4 brides, une 2, 3, 4, une maille en l'air et je refais toujours dans la même maille 4 brides. Oh. Voilà. Vous voyez, avec la petite maille en l'air au milieu. Et on repart, 1, 2, 3, 4, 5, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on va faire ça tout du long. 1, 2, 3, 4, 5, je fais mon grand motif, 4 brides, une maille en l'air, 4 brides, donc là je suis 2,
3. Et attention, puisque là, on va arriver à l'autre couleur. Je fais les deux premières et je garde. Je prends... Alors, mon fil, il est devant. Hein. Ça, c'est un peu l'inconvénient, mais... c'est pas trop gênant à la fin. Hop, je fais mon jeté et je fais ma boucle. Voilà. Là, attention, hein, j'ai une bride hein, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on ne prend pas le fil, hein, on le laisse celui-ci. Voilà. Le mauve, on n'en a plus besoin. Je fais une bride, une maille en l'air. Et une bride. Je continue mon point comme si de rien n'était. Hein. Là, attention, hein, vous avez une bride là qui est des fois un peu cachée par rapport aux brides au-dessus. Hein. Attention. Et là, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait le grand motif. Donc, vous allez faire ça tout du long. Hein, suivant la longueur que vous avez choisie. Vous voyez, on ne le voit plus. Vous voyez le fil? On ne le voit plus, donc c'est pas gênant. Voilà. Allez, faites ça jusqu'au bout et on se rejoint à la fin et pour continuer. Alors, à la fin, à la dernière maille, vous voyez, vous finissez par le petit et un gros. Vous me faites 5 brides dans la dernière maille. Voilà. Et bien sûr, là, il y en a 5, hein. Ensuite, une maille en l'air, on tourne. Dans la première maille, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, il vous reste 1, 2, 3, 4, pardon, 4 brides, 4 mailles. On va faire 4 brides ensemble. Donc, on rentre dans la première maille, on fait les deux premières boucles et on garde. Un jeté. Les deux premières boucles, on garde. Voilà. Donc on a 4 boucles plus celle de base, un jeté, et on fait toutes les boucles. Ensuite, ici, on va faire, ici sur les chaque bride là, une bride relief avant. Donc, pour ceux qui connaissent absolument pas. Ceux qui me suivent, on en a fait maintes fois. Un jeté. Je vais à droite de la bride. Je passe par derrière. Je ressors de l'autre côté. J'ai la bride qui est devant moi, sur le crochet. Je fais un jeté. Je ressors. Et je fais ma boucle. Enfin, mes deux premières boucles. Et la dernière. Et là, j'ai fait une bride relief qui est avant, parce que quand je la touche, elle est en relief et devant moi. Une maille en l'air et je fais pareil avec la bride suivante. Un jeté, je rentre, je ressors, un jeté, hop, je ressors, les deux premières boucles et ma suivante. Et vous voyez, elle est devant. C'est pour ça qu'il y a du relief sur le point et qui est fort sympathique. Voilà. Là, on va faire 4 brides ensemble, comme on a fait ici. Hein. Donc, je rentre et je fais, hop, les 4. Hein. Je jette, je rentre. Je fais les deux premières, je garde. Alors, j'écarte énormément pour que vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc là, j'ai les 4. Un jeté, je fais toutes les boucles. 3 mailles en l'air. Là où il y a la petite maille en l'air, vous savez qu'on avait fait la séparation, je rentre dans l'espace et je fais une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3. Et je refais mes 4 mailles en faisant 4 brides ensemble. J'y vais doucement. Mais tranquillou. Allez. Une. Deux. Trois.
4. Un jeté. Et je passe toutes mes boucles. Et là, j'ai mon petit motif. Donc, on va faire les bris de relief. La maille en l'air. Et je fais ma deuxième. Donc, mon jeté. Je passe par derrière. Je ressors. Et je fais ma bride. Voilà. Ici. Alors, on se trompe surtout pas. 1, 2, 3, 4. Hein. Donc, les brides relief. Relief. Les brides ensemble, pardon. Excusez-moi. Les 4. Je fais toutes les boucles. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans le petit espace, je fais la maille serrée. Oh, que je suis bête! Je suis tellement concentrée à vous expliquer que je n'ai pas changé de couleur. Et là, vous êtes en train de vous dire, il est loup, il est loup. Les couleurs. Donc, je reprends. Faites comme si j'avais rien fait. Nous sommes à notre bris de relief ici, tranquillou. Donc, je fais mon jeté, je rentre, je fais mes deux premières boucles. Et ici, c'est là que je fais mon changement de couleur. Donc, je prends mon petit mauve. Hop. Voilà. Ici. Je resserre un peu mon gris. Voilà. Ah, là, on est mieux. Donc là, du coup, je rentre dans ma première, ma deuxième, ma troisième et ma quatrième. Vous avez rien vu, hein? Je fais toutes mes boucles. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace au milieu et je fais ma maille serrée. Vous voyez, le fil, il se confond après. On ne le voit absolument pas. Et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, je fais mes 4 brides ensemble. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, mon relief. Hop. La maille en l'air et le relief. Donc, vous voyez, vous allez me faire ça tout du long, tranquillou. Allez, c'est parti. À la fin, il y a une petite particularité. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 4, les 4 boucles. Et vous faites 1, 2, 3, les 3 mailles en l'air. Et à la dernière maille qu'on n'a pas travaillée, vous rentrez et vous faites une maille serrée. Et on finit ainsi. Hein? Voilà. Fallait que je vous le dise, c'était important. Alors, maintenant, on va attaquer les rangs de répétition. Sachant que vous en avez 4. Voilà. Alors, les points, vous les connaissez. C'est juste la disposition. Et par rapport au rang de qu'il y a en dessous. Hein, voilà. Mais vous verrez, il n'y a rien de plus. Et ce n'est pas plus compliqué. Donc, ici, on va faire 1, 2, 3. On tourne. Toujours dans la première maille, on fait une bride. C'est tout. On va travailler dans l'espace ici. Vous savez, entre les deux brides de relief, là, la maille. Donc, on passe le gros motif et on vient ici. Et là, on fait le motif qu'on connaît, c'est-à-dire 4 brides, une maille en l'air et 4 brides. Voilà.
voyez, ici, hein, 4 brides là, voilà. Hop. Là, maintenant, vous sautez toujours ce gros motif et là, vous avez la maille serrée qu'on a fait ici, toute petite, oui. On rentre dans la maille serrée et on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Donc, vous voyez, les motifs, vous les connaissez. C'est seulement savoir où les mettre, tout simplement. Donc là, ben, vous voyez qu'il y a l'espace là et on refait ce qu'on a fait ici, hein, pas plus. C'est vraiment pas compliqué. On a l'impression que c'est compliqué, mais ça l'est pas. Donc 3, 4, la maille en l'air et on refait 4. 1, 2, 3, 4. Ici, notre maille serrée, une bride, une maille en l'air et une bride. Alors, là, vous voyez, je suis loin, mais en attendant, il faut que je me mette au gris, ok? Donc, du coup, on fait le point comme on sait faire, hein, où on récupère comme ça. Je prends mon gris. Je bascule. Voilà. Et là, dans cet espace-là, je fais, hop, tout mon gris. La maille en l'air. Et voilà. Et on continue ici. Le point. Donc, continuez jusqu'à la fin. Je vous ferai voir. Alors, ben, je vais vous faire voir de suite. Hein. Je vais avancer, puisque je ne suis pas loin. Comment on finit? Et là, rappelez-vous, vous aviez fait ici une maille serrée à la fin. Là, il y a une maille serrée. Vous me mettez deux brides à l'intérieur. Une et deux. Voilà. Et là, on a fini le premier rang de répétition. Alors, c'est un point qui a beaucoup de relief quand on touche, hein. C'est normal, hein. Voilà. Alors, rang de répétition numéro 2. Alors, ici, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez. Là, la première maille va devenir relief. Donc, vous rentrez, toujours la relief avant, hop, et vous faites une bride relief. Voilà. Ensuite, là, pensez, on avait fait nos 4 brides ensemble. Mais là, on refait pareil. Donc, 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3. Ici, je rentre, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Et je fais les 4 ensemble. Et voilà. Ici, nous retrouvons nos deux petits. Hein?
Je vous avais dit, hein, il y a on connaît tous les points, mais c'était juste la position qui changeait. Hein. Et on fait notre relief, la maille en l'air, et le deuxième relief. Et on repart sur les brides ensemble. Je rentre, je fais ma maille serrée, 1, 2, 3, et je refais. Et là, 4. Vous avez vu que je suis à la limite de la couleur, donc forcément, je prends mon mauve pour faire toutes mes boucles. Voilà. Et là, je fais ma bride relief, ma deuxième, et je continue. Voilà. Alors, changement de couleur, des fois c'est rigolo, ça se chevauche un peu, mais c'est marrant. Voilà. Allez, continuez jusqu'à la fin de votre rang, et je vous explique la fin du rang aussi. Hein? C'est parti. La fin, c'est quand vous avez fini le gros motif, les 4 brides ensemble. Ici, vous avez une bride et les 3 mailles en l'air. Vous rentrez là avec la première bride, vous faites une relief. Voilà. Et à la dernière maille, vous faites une bride toute simple. Voilà. Facile à faire. Hein? Donc là, nous avons fini notre deuxième rang de répétition. Vous avez vu, super sympa. Toujours, toujours. Alors, troisième rang de répétition. 1, 2, 3. Alors, c'est surtout les débuts et les fins hein, qui sont importantes dans ces rangs de répétition. Parce qu'après, le reste, vous connaissez. Toujours dans la même maille, vous me faites 4 brides. Ce qui vous en fait 5 au total. Hop. Voilà, une, c'est bon. Alors, ici, toujours, là où il y a la maille serrée, c'est là qu'on va faire notre petit motif. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et, vous le savez, ce qu'on va faire ici, on va faire notre gros motif. Une, deux, 3, 4, la maille en l'air, 1, 2, 3 et 4, la maille serrée, petit motif, voilà, donc vous voyez, c'est surtout les débuts et fins qui sont importants. Parce qu'au milieu, vous savez déjà le motif. Vous le connaissez déjà. Hein? Voilà, on répète. Hein? Allez, on va jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Et moi, je défais le mimac qui a eu au niveau de mes fils. À la fin, là, vous avez fait le petit motif. Ici, vous allez piquer vraiment dans la dernière, toute dernière maille. Et vous allez tout simplement faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et notre troisième rang de répétition est fini. On va attaquer le quatrième. Ouh. Et bien aujourd'hui, donc, notre quatrième rang, hein, voilà, que je m'en mêle pas les pinceaux, quatrième, une maille en l'air, je tourne, je rentre dans la première maille et je fais une maille serrée. Et là, rappelez-vous, nous sommes dans la partie où on fait les brides ensemble. Donc, là, je vais faire
1, 2, 3 mailles en l'air et je fais mes 4 brides ensemble. Voilà. Hop. Ensuite, je fais mon relief. Mes 2 petites brides au relief. Moi, j'aime bien. Et là, on est reparti sur nos brides ensemble. Voilà. 1, 2, 3. La maille serrée. 1, 2, 3. Et on repart avec les brides ensemble. Voilà. Vous connaissez le point. Donc, vous me faites ça tout le long. Vous pensez à faire le changement de couleur. Et on se rejoint à la fin. Alors, pour finir, vous faites 4. 1, 2, 3 et 4. Les 3 mailles en l'air. Et à la dernière maille qui vous reste ici, hein, puisqu'il vous en reste une, vous me faites une maille serrée. Hop. Et voilà. Donc, hop, j'arrive. Hein. Je me bats. Voilà. Ici, vous avez donc, voilà, le 2 parties. Alors, là, vous avez tous les rangs de répétition. Donc, les 4. Donc là, ce que vous allez faire, pour ceux qui ne connaissent pas les rangs de répétition, vous reprenez mon premier rang de répétition sur la vidéo, vous faites 1, 2, 3, 4, hein, les 4 rangs de répétition, et vous recommencez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pour vous faire la hauteur que vous avez besoin. Voilà. Au niveau, vous voyez, du point, c'est assez sympa. De l'autre côté aussi, hein, j'aime bien, c'est recto verso. Après, le plus joli, c'est là. C'est là où il y a le relief, ici, un peu partout. Hein. C'est assez sympa. Alors, suivant les couleurs, ça ressort plus ou moins. Bon, là, c'est de l'acrylique tout simple. Hein. Donc, le but, vous allez monter en fonction, alors, soit pour un bandeau, soit pour un snood. Vous voyez ce qui... pardon, ce que vous voulez faire. Hein. Vous montez. Et on se retrouve de suite pour faire la petite suite, le final. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je reprends mon blanc et beige pour vous faire voir. Donc là, vous voyez, le résultat est super sympa. Maintenant, on va faire un rebord de rang de bride. Puisque là, on a fait bride, on fait bride. Mais attention, on ne fait pas des brides de partout. Donc, là, voilà, je vous fais voir. Ici, bon, je vais faire mon changement de couleur comme d'habitude. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, quand vous êtes sur les reliefs, vous me faites une bride dans la maille, une bride dans l'espace hein, et une bride dans la maille. Là, vous faites une bride dans le point, dans la maille du gros point. Ici, dans cet espace, vous aviez 3 mailles en l'air. Vous me faites 3 brides à l'intérieur. Et c'est là la particularité. Ici, vous avez une maille serrée. Vous la sautez, vous ne la travaillez pas. Vous allez de suite dans l'espace suivant. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire de finir, comme vous avez pu le constater, de finir avec le rang où vous me faites hein, les brides ensemble. Hein, voilà. Sinon, ça ne va pas. Il faut que vous ayez ce rang-là pour finir. Hein, les brides ensemble et le... Et ici,
les deux... Oh, je vais y arriver. Les deux brides avec la maille en l'air au milieu. Hein? Voilà. Alors, donc là, du coup, on a fait cet espace-là. On fait une maille dans le gros tas là de brides. Voilà. Et là, à la maille, dans l'espace et dans la maille. Voilà. Dans les brides ensemble. Dans l'espace, vous m'en faites 3. La maille est serrée ici, on la saute. On va directement à l'espace suivant. Hein? Voilà. Et vous me faites ça tout le long. C'est pour finaliser notre petit rang. Voilà. Hein? Allez, continuez. C'est parti. Voilà, quand vous avez fini, vous me laissez un peu de fil. Vous le coupez et vous me faites le petit nœud, puisque là, nous avons fini. Et bien sûr, vous avez le fil de l'autre couleur, pour moi le beige, qui est ici. Vous le coupez et on va le fermer. Enfin, on va faire un petit nœud pour pas, bien sûr, qu'il bouge, hein, par mesure de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est fait, au moins il bouge pas. Maintenant, on va faire ce qui est intéressant, c'est le fameux croisement pour faire la couture et finaliser notre bandeau ou notre snood. Donc bien sûr, on prend côté à l'envers, hein, voilà, donc côté à l'envers, c'est ici, voilà, donc on repère nos nœuds, nos petits fils, hein. Donc là, je suis à l'envers. Et, alors, vous allez tout simplement, j'y vais doucement, alors attendez, déjà, si, voilà, ce serait mieux. Donc, cette partie-là se plie. En fait, je plie en deux, voilà, je plie en deux mes deux parties, voilà, hop, comme ça. Et je les emboîte. Vous voyez? Voilà. Alors, vous voyez, moi, mon fil n'est pas au bon endroit. Peut-être que vous, il sera au bon endroit. Donc, du coup, je vais le couper et je vais le mettre ici, hein, tout simplement. Ou alors, on fait l'inverse. On fait comme ça aussi. Voilà. Oh, si, mon fil est au bon endroit. Donc, je recommence. Vous pliez en deux votre... de chaque côté, vous emboîtez au milieu et vous emboîtez ici. Voilà. Et on va faire la couture, tout ça. Alors, bien sûr, vous positionnez bien. Hein, voilà. Hop. Bien positionné, bien dans le creux. Vous installez bien. Hein, voilà. Hop. Voilà. Que ça fasse bien un sandwich. Bien en face, les rebords côte à côte, on va prendre l'aiguille et on va rentrer dans tout ça. Ivi, bibi, bibi. Voilà. Hop. Allez, je rentre mon aiguille, j'arrive. Voilà, j'ai toujours gardé mon sandwich. Voilà. Et donc là, je rentre, hop, et je vais faire de la couture. Je rentre bien, je prends vraiment toutes les épaisseurs. Hein. Faites attention que tout soit pris au niveau les 1, 2, les 4 épaisseurs. Prenez tout votre temps, on n'est pas pressé. Moi, c'est pareil, vous hein, voyez. Hop, je prends tout mon temps.
C'est le moins marrant dans l'histoire. Hein. Voilà. Et on va faire ça ben, jusqu'à la fin. Hein. Voilà. Hop. Attention de ne pas trop vous écarter. Hein. Ne me faites pas des grands écarts entre les va-et-vient. Hein. Voilà, faites attention à ça. Et voilà. Vous voyez, je le fais en même temps que vous. Hein. Hop. Voilà. Alors, s'il y a un nœud qui se met, oh, pas nous embêter quand même. Voilà, on prend son temps, tranquillou. Voilà. Allez, vous me faites ça, tranquille, jusqu'à la fin. Hein? Allez, c'est parti. Alors, j'ai fini ma couture. Voilà, j'ai rentré tous les fils et tout. Et maintenant, tadam, attention, on va voir le résultat. J'espère que c'est joli. Et là, je le mets donc à l'endroit. Voilà. Et ça vous fait un joli nœud. Voilà. C'est sympa, hein? Moi, j'aime bien. Ça se croise, c'est... ouais, on dirait que c'est pris comme un anneau en fin de compte. Hein. Et je trouve ça super joli. Voilà, cette technique, bien sûr, hein, je répète, ce n'est pas la mienne. Je l'ai trouvée sur internet, mais je l'ai trouvée tellement jolie que je me suis dit ça allait vous plaire aussi. Voilà. Faites attention, vous voyez, on voit une petite différence parce que le blanc et le marron, c'est pas tout à fait le même, et on voit le blanc qui est un peu plus épais que le marron, donc ça fait une toute petite différence. C'est léger, hein, voilà. Mais faites attention que vos deux fils soient identiques, hein. Voilà, bah, écoutez, moi je trouve ça super sympa. C'est facile à faire. On peut prendre n'importe quel point et utiliser cette technique-là pour faire ce nœud. On dirait un nœud, mais il n'y a pas de nœud. Moi, j'adore. Voilà. Donc, bandeau, snood, ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé le point et la technique du nœud. Vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. Hein. Vous pouvez utiliser ce point pour faire autre chose aussi. Voilà. Plein de choses sympas dans une seule vidéo. Je trouve ça pratique. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram et sur le groupe Facebook, si vous voulez. Tous les liens sont en dessous. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et crochetez bien.